OK, je me présente, Jean Poitras, le propriétaire de la moto. J'ai parti le projet en juin 2008. C'est une moto que j'ai fait venir des États-Unis jusqu'ici au Canada. Puis après ça, j'avais l'intention de faire une moto un petit peu à part des autres, customiser un petit peu tout ça. Fait que j'ai contacté Ratshop, qui est un builder de moto custom, pour qu'on puisse faire une moto un petit peu... En ordinaire? Hors de l'ordinaire, c'est ça. Qu'on a décidé après ça de vouloir embarquer dans des compétitions. Le but départ de la moto, c'était juste de m'acheter une moto pour me promener avec, pour dire faire une moto de chaque jour. Puis quand j'ai contacté Frédéric Vaillancourt, qui est le propriétaire de Ratshop, le builder, il m'a proposé de faire des choses, de la création sur la moto. Fait que on a parti avec un tutu de la marque du frame. Ouais. Le frame, c'est un Honor Key Moco. On a mis un moteur TP Pro Series de 121 pouces cubes avec une transmission 6 vitesses. On a mis des roues Extreme Machine, un 300 mm à l'arrière. Toutes les pièces qui sont là-dessus ont été machinées au complet. Que ce soit chez Ratshop. Les poignées, toutes les pédales, toutes les parties, le tank à gaz, les ailes, tout a été fait à la main de A à Z. On a mis une suspension à l'air en avant, en arrière, sur le single Swingham. On a mis une belle drive Evil Engineering, 4 pouces. Après ça... La tank à l'huile dans le spoiler en avant. C'est ça, la tank à l'huile en avant. Toute la pointe rouge en avant, c'est la partie de la tank à l'huile. La tank à l'air de la suspension est dans le frein. C'est ça. Toute la partie de la suspension qui est à l'air, ça, on va appeler ça le backbone. C'est un tube qui fait partie du frame. C'est la réserve d'air de tout ça. Après ça, la transmission, c'est ça. C'est une transmission automatique un peu particulière. C'est une transmission 6 vitesses, mais si on veut changer de vitesse, on fait que lâcher l'accélérateur, on passe en deuxième, on est parti. La même chose, 3, 4, 5, 6. Après ça, on n'a aucun frein avant, aucun lever sur les poignées. Le frein avant, le frein arrière est sur la même pédale du côté droit. La même chose qu'un automobile. On peut ajuster 70% à l'avant, 30% à l'arrière, 50% à l'avant, 50% à l'arrière, peu importe ce qu'on préfère. La peinture, c'est une réalisation de Alain Panton, Air Design de Mascouche. Pourquoi qu'on a parti, on a appelé la moto Blade, pourquoi avec toutes ses formes, on a parti avec l'idée les roues qui étaient en lame de couteau, fait qu'on a fait tout l'ensemble, la Blade en aluminium en dessous. La blade en aluminium en dessous, qui montre tout pourquoi on l'a appelé blade, la coupe des poignets, la coupe des pédales, toutes les pointes un peu partout, qui a tout été machiné, fait à la main. On a un break en avant, un frein de 360 degrés, qui n'a pas de disque. Puis pour la roue arrière, le frein arrière, c'est un disque qui est sur la transmission qu'on appelle un trans brake. Après, c'est inspiré du film Blade. C'est pas mal ça. Puis là, on a décidé de partir en compétition. C'est sa première compétition aujourd'hui. On a essayé de faire un winner bike. On va savoir demain soir. On va avoir les résultats du juge. Fait que c'est pas mal ça, mais on va vous dire, on a fait le stand aussi en conséquence de la moto, avec des sabres, tout ce qui a rapport avec Blade en particulier. Alors si vous voulez voir d'autres motos, les photos du Blade vont être sur le site web. Sur le site web de Ratshop. Alors www.ratshopcustombikes.com. Yeah, if you want to see the bikes, you want to see all the Blade, all the other bikes we made, on www.ratshopcustombikes.com. Yeah, everything will be there.
and the results for the show. Yeah, les résultats du show vont être sur le site aussi bientôt. Plating, and that goes to Jean Poitras for Blade, $200 in super cash along with the award. Jean, come on up. Our special award for best metalwork, that goes to Jean Poitras for Blade, $200 in super cash along with the award. Congratulations, Jean. And now, second place in the level 4 Pro Builders class, $7,000 in super cash and a 5-foot trophy. And it goes to Jean Poitras for Blade. Congratulations, Jean. Very happy for the first year, my first time in the show, and very happy. Yeah. How do you expect to use money? Is it easier for this one? What? What do you want to do with the money that you My God. No, no, I will pay another thing for to put on the bank. Do you expect to do the new 25? We always have. Only thing I have to put on the bike. We can always put more on the bike, make it better, and then get the first place. So you expect to upgrade the bike? Well, yeah, we're always working on those bikes so they can win shows and get better at it, and that's. Making new bikes? We the shop ourselves, yeah, we're making bikes all year long, and every year we have new bikes. With Jean, this project for Jean, for the show bike, was something different because we made a show bike for a client. We are going around with the bike with the client, so I think it's a pretty fun thing, and it's a pretty nice thing to do. Take part in next year the championship? Here? Yeah. Yes. This? Yes. Bike. Oh, yes. Great.
Why not? Congratulations. Thanks a lot. And hope in next year you will be winner. Okay, thanks a lot. Next year. So great. Great.